Alors, je m'appelle Virginie Van Acker, je suis comédienne et là, on est sur mon lieu préféré, sur une scène de théâtre. Voilà, c'est mon métier, je ne fais que ça. J'ai une troupe qui s'appelle le Théâtre de Lille-en-Joie, avec laquelle on joue mes créations. Et aujourd'hui, je suis à Kunsiche, mais dans la compagnie Le Globe Théâtre, puisque je fais aussi partie du Globe Théâtre qui propose des animations, des spectacles et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, je suis en atelier avec les enfants pour leur apprendre un petit peu ce que c'est le théâtre, leur faire faire des situations, des jeux de scène, de rôle, voilà. Et cet après-midi, ils auront la joie de fouler la scène. Vous avez déjà vu du théâtre ? Oui. Oui, des pièces de théâtre ? Oui. Alors, c'est pas pareil, vous savez, un spectacle et une pièce de théâtre, c'est pas tout à fait la même chose. Et les coulisses ? Ah, les coulisses, ouais, très bien. En fait, un spectacle, ça peut être effectivement de la danse, du chant et tout. Le théâtre, c'est plus une histoire qu'on raconte. Comme dans un film, en fait. Sauf qu'on le fait sur une scène de théâtre. Mais c'est nous, moi. La scène, vous en avez une dans l'autre salle, là-bas, vous avez une scène. Et bien, en fait, voilà, c'est ça le théâtre. C'est quand on raconte une histoire sur une scène. D'accord ? Comment tu sais ? Comment je sais ? Parce que je suis comédienne, c'est mon métier. C'est son boulot. D'accord ? Ok ? Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est un petit peu faire des petits exercices de théâtre pour vous montrer ce que c'est. On marche, et quand je dis stop, on s'arrête, on fait la grimace. D'accord ? Stop ! Très bien, on marche. Maintenant, je vais vous donner le nom d'un animal et vous allez l'imiter. D'accord ? Mais seulement avec votre corps, pas avec votre voix. Si par exemple je vous dis un âne, il ne faut pas faire du « en ». Il faut juste faire avec le corps. D'accord ? Alors, on continue à marcher et je vous donne la poule. Sans bruit. Voilà, très bien. Oui, vous pouvez le faire en marchant ou en étant sur place, comme vous voulez. Ça, c'est une poule. T'es sûr que c'est pas un crapaud, ça? Allez, on marche. On marche normalement. Alors, vous pouvez faire des sons, là, d'accord? Le chien. On va mettre une main sur son ventre. Une main ici. Et on va redire la phrase. Et on va essayer de sentir ici ce qui se passe dans le corps quand on parle bien fort. On va essayer de pousser le bras avec le ventre. Bonjour, je suis en forme. Bonjour, je suis en forme. Bonjour, je suis en forme. La joie. Encore un peu plus fort. Ok, maintenant on va expirer la peur. Alors, je vous montre d'abord, d'accord ? Ça pourrait être ça. Ok ? Allez, on y va. Le dégoût maintenant. Imaginez que vous avez un plat de, je sais pas, d'épinards. Non. Alors, on aspire. La joie. Et on va faire une joie petite. D'accord ? Allez-y, on fait une petite joie. Allez, on fait une joie un petit peu plus fort. Et une joie encore plus fort. Et une joie super forte. Ouais ! Vous allez faire comme si vous aviez mal à la jambe droite. Alors, on a mal. Vous allez imaginer qu'il y a quelque chose qui vous embête, vous tracasse, un problème à résoudre, quelque chose. Ah, c'est dans votre tête, c'est pas autour de vous, hein. Genre, par exemple, vous devez faire 1228 divisé par 712. Alors là, vous devez vous dans votre tête. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Cassie. Moi, je m'appelle Balèze. Hein? T'as quel âge? J'ai 5000 ans. T'es jeune.
Ok, merci les garçons. Donc là, on a bien vu la voix grave, balèze. Je m'appelle Caramba. Moi, c'est Gertrude. Et t'as quel âge, Gertrude? Oh, c'est 10 années. Moi, j'en ai 142. Oh, c'est vieux, ça. Oh, on va pas plus vieux que toi. Hein. Merci. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kevin. Quoi? Je m'appelle Kevin. D'accord. Et toi? Lisa. Squelette extrême. Garde ta voix. Squelette extrême. C'est ta voix, c'est grave. Alors, vas-y, squelette extrême. Squelette extrême. T'as quel âge? 7 milliards de siècles. Demande-lui son âge aussi. Quel âge as-tu? 24 ans. 24 ans, ta voix c'est grave. Eh ben, va la chercher. Vas-y. 24 ans. 24 ans. 24 ans. Oui, on exagère en fait, on force le 24 ans. Ok, merci. Allez. Je m'appelle Lucie. Et toi? Moi je m'appelle Donald. Ah, moi j'ai 28 ans. Et toi? Quand on a un canard, on ne compte pas. Tu es très drôle. Hein? Pourquoi tu me plains? Non? Hein? C'est juste qu'on cherche One Piece. Je peux chercher à l'intérieur de ton corps s'il n'y est pas. Alors, aigu, là, tu l'as perdu. Je peux chercher à l'intérieur de ton corps s'il n'y est pas. Elle est sur ta tête. Ah, d'accord. Merci. Bonjour, je m'appelle Rose, j'ai un gros problème. Appelez vite l'ambulance. Merci, parfait. Très bien. Bonjour, je m'appelle Chaussure, j'ai un gros problème. Vite, appelez l'ambulance. Bonjour, je m'appelle Croire. J'ai un gros problème. Appelez vite l'ambulance. Bien. Bonjour, je m'appelle Luffy. J'ai un gros problème. Appelez vite l'ambulance. Merci. Bonjour, je m'appelle Balèze. J'ai un gros problème. Appelez l'ambulance. Bonjour, je m'appelle Donald. Appelez vite l'ambulance. Un grand problème. Bonjour, je m'appelle Gertrude. J'ai un gros problème. Appelez vite l'ambulance. Bonjour, je suis Gaufret. J'ai un problème. Appelez les ambulances. De rien. Il y a les fleurs, vas-y. J'aime bien les fleurs. Sauf que tu vas le dire comme si tu t'adressais au radiateur là-bas. Hé, hey, j'aime bien les fleurs. Hé, hey, j'aime bien les fleurs. Voilà, c'est à ce niveau-là que tu dois parler. Pas en dessous. Pareil. Hé, hey, j'aime bien les fleurs. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'on parle. D'accord. Tu veux quoi? Non, merci. Tu veux quoi? Non, merci. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça. Oui, bravo. Tu veux une poire? Non, merci. Pourquoi t'aimes pas? Pourquoi? Parce que j'aime pas ça. Merci. Touloulou. Prochaine gare, le dégoût. Oh mon Dieu. Touloulou. Prochaine gare, la gare. On avance la locomotive, elle s'est pas arrêtée. La gare de la joie. De la joie, attention. On continue d'avancer. Touloulou. Touloulou. Prochaine gare. La gare de la tristesse. La tristesse. Touloulou. Et on tire et on tire et on tire et on tire son corps. Et on monte sur la planète. Et on tire, on tire, on tire, on tire. Et ensuite. Chut.
On va prendre sa jambe droite et on va faire comme ça. Voilà, je vais vous délasser un peu plus. Prends ses hanches et on les tourne. Allez, ma fille. Allez, tourne. Très bien. Ensuite, on met ses mains sur le coude. Et on tourne les coudes. En arrière. Ou en avant. Ou les deux. Ok. Ensuite, on met une main sur sa tête. On fait une main sur son ventre. On tourne la main sur le ventre. Et on tape la tête.